Mais elle porte plus loin, on va dire, elle porte plus. Genre, moi, je sais pas, mais je dis Kyrgios, il gagne le tournoi. Avec son style. Son style, il a l'air surboosté. C'est bon, il est là, Kyrgios. Il a dit, Mec, c'est moi, bon. j'ai envie de voir Micron gagner. J'ai vu qu'une fois son arène, il a pété un cul. Après, il a que troll. Ah, mais... Mec, Ma route ne s'arrête pas, mon mec, cher. ah, On a regarde le toujours... chat. Pardon, Rock. J'irai sur Écoute, Discord. faut prendre... Si faut je suis prendre en leader, compte. la tête de Crachat, il rentre pas. Il a dit quoi? Il écrit dans le chat, si je suis videur, la tête, Crachat, il rentre pas. Il est sérieux à dire ça? Alors du coup, T'as Sora côté mis où? Micron, Steve côté Kyrio. Mais genre, on n'a pas... Écoute, on n'a pas vu le robe de Kirio. Par contre, Rock, t'es vraiment quelqu'un de méchant. Attends au sweet spot, on va à bout d'image, je vais te casser Je la gueule. dirais même qu'il est pas gentil. Putain, d'ailleurs, au sweet spot, il faudrait que je vienne un de ces quatre. Je crois que prochain Ah. sweet spot, tout le monde vient, du coup, je vais venir aussi. Prochain sweet spot, y a un monde où j'y vais. Donc Rock, Moi quand je aussi. vais au sweet spot, je te le dis, t'y vas et je te casse la bouche en mini match, d'accord? Hop. Moi par contre, si j'ai, c'est comme un spec, hein. Oui. Il n'y a plus de stream, les gars? Si, si. Il y a Rock. Mais pourquoi vous êtes pas. Pourquoi vous êtes. Parce que j'ai Par. demandé de rester là, ça s'est parlé avec eux. Et vu que je suis participant du tournoi, vu que je suis en plein match, ça dérange pas. Parce que genre en fait, Ouais, c'est. C'est genre Rock plutôt qui bonne parle ambiance, et en plus. plus Rock il doit malheureusement ne plus utiliser sa voix actuellement. Pas de soucis. Du coup on discute tranquillement, t'inquiète. Ok. En plus t'as un micro-ondes qui nous fait une run de fils de. Ah mec, c'est un micro-ondes, hein. Mec, je te jure, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi chaud. Ah, le Mais micro-ondes 900 non. watts pendant 10 minutes là. Suis pas si fort que ça. En Attention. vrai, son Robin n'y est pas ouf, hein. Ouais, t'as vu. Même Robin, il est tellement pas ouf. Genre, en fait, t'es pas fort au micro-ondes. Mec, tout le monde sait qu'il est prodable. Mais c'est comme Kiryu, il est free. Tristock facile. C'est ça, hein. Tu sais que là, franchement, hein, s'ils sont à ce stade de la compétition, sans avoir fait de lose, non, mais c'est juste parce que les autres, ils leur laissent une chance d'espérer, tu vois. Bah oui, mec. Genre, en fait, genre, en fait, genre, dans ce match, c'est ceux qui Après, je l'ai. font de la peine qui sont premiers. Bah ouais, non, c'est ça, avant tout, Artois Smash, c'est un Yo. esprit de sympathie. C'est une compétition, mais de bonne ambiance, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, les gens sont souriants, ils laissent les plus faibles gagner, ils sont en mode. Non, mais allez-y, madame, passez en premier, y a pas de souci. Sauf quand c'est bisous, là, tout le monde lui pète la gueule. Pourtant, j'ai rien fait de mal, mais bon. Sinon, Mizu, comment ça a été le match-up face à la table de craft? Sympa, j'ai bien aimé la bite. La bite m'a achevé. Oh Attends. mec, vraiment, tu sais que j'ai envie de faire un best-of uniquement sur le moment où t'as focus la table de craft et tu l'as raté. Tu sais que dans le top 8, il va y avoir la table de craft. Sur le graphe, elle Ouais, va apparaître, hein. j'avais des problèmes de co aussi. C'est vrai en plus. Oh, matez-moi ce joueur League of Legends de la bonne foi en permanence. Ah, mais la Rock. BB de Sora qui tue pour la deuxième fois. Hein. Mon écran Rock, faut bouger ta manette. Rock, ton écran est Bresson. Ton écran est écouté Lithopédion. Mais si j'avais des problèmes de co vu que Un truc genre 4 mois que j'ai pas sorti mon sort. on vit à deux en fait dans le logement. C'est faux, mais on vit pas encore à deux. Pas avec toi, bientôt peut-être. Tout va dépendre de ma relation, comment elle va se finir. Quoi, tu te trompes avec Jordi maintenant? Je le savais. Alors. Mec, il a un harem. Oh la Jordi. gif! C'est BO5, c'est ça? On est en winner final. Ouais. Ouais, à partir des finales,
On passe en BO5. Dès que c'est des finis finales, t'es en BO5. Mais de, ah du non, coup, non, deuxième non. Steve qui finit à la gifle. Alors, c'est TP en diamant. Ouf. Oh la bif. Ça fait. Ça doit faire. Je sais pas, 4 mois que j'ai pas joué Sora. Pourquoi tu joues Sora toi aussi? Arrêtez cet homme. Il est un peu weird, oh, mais le flex en permanence. Mais fais-nous un Tito Steve là, tout le monde le veut. Non merci, mon Steve est moins fort que lui. Que le mon sien, Steve est plus le fort que lui. Mizu, il s'est même passé ton combat. Ça va. Ça va, ça va. Il est fini, mais ça s'est bien passé. J'ai joué contre Palyrex en loser. Je pense que je l'ai détruit mentalement. Pali ? Non. Non, Palyrex, il a un super mental. Mec, il s'est dit plein de fois pendant les games, genre volontairement. Oui, ça peut arriver. Parce que bon, une mauvaise journée peut arriver, mais Palyrex, c'est vraiment pas le genre à avoir un mental à faillir. Non, Pali. Pali n'a pas un mauvais mental, je te rassure. Genre il avait Ike, genre il a up B, et j'ai Carapuce, donc j'ai neutral B, donc je l'ai poussé avec l'eau. Ah, oh, il avait Ike. Ouais, laisse tomber. Écoute, genre après c'est SD, et après il avait Rob. Alors, Ike, je vais expliquer, c'est comme Ryu. En gros, comme Pali joue random, il y a des persos qu'il déteste. Ike et Ryu sont ses persos qu'il déteste jouer. Et Bayonetta aussi. Donc, si tu préfères, en gros, à la limite, il va te dire je joue pas quoi. Et genre, du coup, après, il a joué Rob. Première stock, je l'ai un peu démarré. Deuxième stock. Oh là là, mais le train de la mort! Genre, après, il a remonté. Après, j'ai mis off-stage. Oh, le minecart qui rappelle des heures sombres de l'histoire! Genre, il s'est dit, après, il s'est re-SD. Ah, qu'est-ce que c'est? Oula! Genre, littéralement, notre stat a duré 5 minutes. Micron. Micro-ondes qui montre la qualité de sa com et Kario qui montre la qualité de sa tub. Ah, oh, la tub, elle est incroyable. Oh, la tub. attends, j'ai... Souvenez-vous qu'il n'y a qu'ici que... les Steve de votre région qui montrent leur gigatub. C'est quand même fou que ce soit face à Bayonetta qui sorte une telle tub, hein. Oh. Par contre, Zawadniko et Ozma, ils sont longs. J'en ai marre, c'est long. Ils sont deux sur la même Switch. Je sais, mais c'est long. Mais mec, en même temps, est-ce que là, voir Kirio micro-ondes... Micro-ondes sur Bayo, je savais même pas que tu peux la jouer, mec. Franchement, est-ce que ça régale pas? Non, la bite, mec, elle est incroyable. Mec, là, je me régale. Il reste une stock de chaque côté. J'ai envie de voir micro-ondes remonter la game parce qu'on sait que le Steve de Kirio est capable de dinguerie. Mec, le gars, il t'a fait un attentat à la charrette, quoi. Il a surboosté son minecart juste à cause d'un explosif, j'ai pas compris. Littéralement, vu que je m'intéresse pas spécialement à Steve, parce que bon, tout le monde dit le perso est craqué, du coup je sais qu'il va pas trop jouer. Voir des moves comme ça, je suis en mode what the fuck. Non mais le perso est vraiment trop craqué, hein. C'est par contre... Genre, bah disons littéralement... que il colle bien à Minecraft, hein. Il y a des possibilités infinies, le salaud. Écoute. Genre, J'écoute. Tous les matins, je me réveille, je vais sur Twitter, je vois, oh, un nouveau setup de Steve. Bah écoute, moi je préfère largement les tweets de Booba qui parle de tortillite. Actuellement, micro-ondes qui est en RP robe. Je sais pas si je suis seul à l'entendre bugger. Non, je l'ai entendu bugger aussi. Ouais, d'accord, hein. Je crois que c'est... Non. Ouf. Oh, le fist. D'accord, pardon. T'es mal à taille du fist. Oh mais t'es mal à dégaine. Oh, il lui a mis un point dans le c... Putain.
Tout à l'heure, on parlait du Chabit de Ozma, mais alors là, le fils de micro-ondes, je m'y attendais pas. Hein. J'ai envie de faire un livre de titres un peu débile, en mode Bayo ou l'aberrance anale. Comment ça, Bayo? D'accord, Anto. D'accord. Mais on mec, il vient d'ouvrir une fissure vers un autre espace-temps, là. T'as vu ce fist? Parce que bon, on dit de la merde, mais il se passe des choses quand même à l'écran. Eh ouais, mais t'as pas l'expertise de Rock. Ah, c'est vrai. En même temps, quelle idée de streamer quand on se fait Daronhead. Ah, mais ça, c'est le goût du risque, l'ami. C'est Rock, mais quand jeune homme. C'est Rock, mais qui fait une tête de plus que ses deux parents. Qui va Daronhead qui, finalement? Alors que bon... Ah, du côté de micro-ondes, on a lâché la bayo, on a sorti la biloute. Mobilette. Oh, putain, j'ai des vannes horribles qui viennent à l'esprit. On a créé la béance anale avec le fist. On va montrer notre biloute maintenant. La biloute contre la bite de Kirio. Hein. Il y a des lags là. Tu passes par de ton côté, micro-ondes? Non, moi je suis câblé et fibré, monsieur. Ouais, les mensonges. On connaît les mensonges. Je suis fibré aussi, mais je suis à côté de ma box, mais j'espère que les lags viennent pas de mon côté. Non, dans tous les cas, c'est moi, j'ai plus énergique. Bien sûr, tu joues, si t'es dans le banc ou bien t'es en train d'attendre pour jouer, bah c'est pas toi. Normalement, Mako vient pas, ouais. Et si on est que deux aspects, normalement, ça devrait pas intervenir. Et pourquoi avoir une vache légendaire qui peut tout passer quand t'as une pioche, mec? Ouais, la première stock qui a été cherchée par le Biloot. Ben ouais, j'ai déjà qu'il y a plus d'énergie qu'avec ta bayo. J'ose le dire. Ah bon? Moi, je trouve. Après, Bayo, elle avait quand même un sacré boulard. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais après ce que lui a mis micro-ondes, là, c'est Steve qui s'est fait ouvrir le fiac, hein, c'est moi qui le dis. Hein. Oh, il lui a fait un fiac à la Nicki Minaj, mec. Il y a de quoi construire une autoroute dedans. En vrai, Steve. Mâche. Je lui fais la tête et le boulot carré, mec, à Steve. Tâte-moi le cube. Il y a Steve Jobs. Non. Ici, c'est Steve Boulot, mec. Téma la taille du cube. Téma la taille du boulard pixelisé. Oh, il a pas aimé. Oh, le Steve qui a pas aimé. Mate-moi ce boulard en 144p, mon gars. Oh, mate-moi les gros pixels de ce boulard-là. Oh, mec, le boulard, même si t'as le décodeur, c'est toujours Canal+ encrypté. Ah, la jeunesse à 4h du matin. Tu veux une anecdote là-dessus? Un samedi soir, sur TF1, ils diffusaient Le Seigneur des Anneaux. Je peux te dire que sur la 4, ils diffusaient pas le même anneau. Mais par contre, je vais quand même réussir à me tromper de chaîne. Du coup, c'est très deep quand je fais la référence de Canal Plus encrypté. Parce que techniquement, quand ils ont arrêté ça, je devais avoir genre 7 ans. Il fait tout noir sur ta Switch, Rock. Merci, Rock. Rock, il nous propose un contenu de qualité, hein, évidemment. Rock, le troller, hein, et on le connaît, hein. Rock, le videur, surtout. Putain, en vrai, j'ai trop hâte de le voir à la Switch. Mizu, tu l'as fait la prochaine Switch ou pas? Yes. Oh putain, mec, je viens. Let me out! Attention, Kirio qui était mal parti dans le match, mais qui peut remonter. On rappelle que Steve, il a genre des possibilités infinies. Mais Baylet, il a genre toutes les armes de son monde. Non, il en a 4. Mec, il a une épée qui fait fouet, vas-y. À partir du moment où tes armes font 2 en 1. Bah, l'épée, c'est pour le combat, le fouet, c'est pour le lit.
C'est un Swiffer, hein, son arme. En vrai, Violet Femme. Très pratique dans les soirées mondaines. Violet Femme avec son balai. Son balai Swiffer. Ouais. Boulot plus cuisine, moi je te le dis. En vrai, ta femme, elle te cuisine, mon pote. Elle te fait bouffer tes droits patriarcaux dans la bouche, hein. Prends ça, sale mâle blanc, si genre. Oh mec, ça me rappelle, j'ai un prof, il a lâché une dinguerie. Il nous a dit quoi? Il nous a dit, oh, de toute façon, selon ma fille de 14 ans, je suis un mâle cis blanc privilégié, donc je suis un connard. Il a pas tort, hein. Ouais, bah on lui a dit. Attends, c'est pas le fait que c'est lui qu'il a dit comme ça, c'est que ton prof a lâché ça, c'est le fait que c'est sa fille de 4 ans qui t'a dit ça. 14. Ouais, 4 ans. Ah, j'ai entendu 4 ans, je me suis dit, pardon. D'ailleurs, en parlant d'enfant, Kyrio qui vient de Daron et de Bilout. Il lui a fait la tête au carré, il lui a refait le cube. Mange mon cube. Mange mon cube. C'est moi la plus belle ici. Steve, la plus belle de la soirée. Range ta bilette. Ah, Billet, range ton Swiffer et retourne au placard. On sait tout ce que c'est, Steve, la vraie ménagère ici. Évidemment, tous les propos défendus ici sont évidemment du troll et on vous invite à plus de tolérance, de bienveillance et à accepter ce genre d'humour. Quoi ? Mais quand même, le ménage, mon pote ! Ouf ! On est en train de troller ? Hein ? Hein ? Bah, pour ouais. Le stream, oui, mais t'inquiète, après, non. Ah, ouais. Par contre, mec, je me suis toujours promis, attends, si un jour quelqu'un... Je vous ramène Kyrio, les gars. Oh, vas-y. Par contre, Mizou, premier degré, je me suis promis que si un jour quelqu'un prenait mal ce genre de propos en stream, je lui ressors mon cours sur les 30 Glorieuses. Sur la place de la femme dans la société pendant la fin du 20e siècle. Crois-moi, il va bouffer. La plage il va la comprendre que je suis de gauche et il aura un peu s'en faire. Allô, allô, Kyrio, comment vas-tu? Ah, Kyrio! Mec, la bite! Alors, Kyrio, ça fait quoi de jouer Steve? Est-ce que t'arrives à dormir la nuit? En vrai, c'est horrible, mais c'est fun. Je joue les mifs! Les gars, je joue les mifs! Je joue les mifs! Ouais, on parlait de ménage! Regarde, ouais. elle va faire le ménage plus vite. Quoi? C'est moi la plus belle. Non, c'est elle la plus belle, hein, toi? Quelque part, est-ce que Pyra c'est pas le four et Mitra l'aspirateur? C'est vrai. Attendez, dingueries là. Oh mon dieu. Faudrait rajouter une énorme bannière. Attention, ce stream n'est pas de droite. Par contre, attention, on a déjà eu cancer contre le sida. Rajoutez les bolas maintenant. Pyra et Mitra dans la place. Il manquerait plus que ce soit sur l'Aïlat. Et puis c'est bon, on aura le triplé gagnant. Oh, ça touche. Attention, la vraie question, c'est à quel pourcentage indécent Pitra va tuer. Déjà là, j'ai très peur. La console, Rock. Rock, Rock déjà, ta console est en train de faire dodo, Rock. Le ta console est gros son. Ta console, oh, écoutez Amnésie, Rock. Comment on peut regarder ce stream si Rock, il est pas sur sa console? Merde. Alors. Regardez-moi ce stream, voilà, ce filtre Instagram dégueulasse qui assombrit tout. On n'est pas chez les moches ici, on assume notre... Oula, je vais dire nos couleurs, je sais pas si c'est vraiment ce qu'il faut dire. On assume notre beau jeu. Ok, il a touché mes pieds. Fétichiste de merde. Espèce de Tarantino. Oh, mais par contre, dites-vous que c'est quand même un des seuls streams en France où on peut voir un Steve et une Pyramitra se faire buter. Finalement, est-ce qu'on n'est pas gagnant en tous les cas, quoi?
Non, parce que j'ai perdu. Par contre, Kyrio, oui. Je me vais jouer seulement si tu fais une bite dans ce set. Hein. Sache. J'en ai déjà fait une. Hein. C'est vrai. Et quelle bite? Allez, mec, t'es gigantesque. Face à Bayo, il a fait une bite qui faisait toute la map. Hein. La mec, en vrai, c'était une vraie non, BBC. Non, 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 la, la bite, l'Empire Beat Building. Il doit faire. Il doit la faire. Bah, tu veux les poils et les. Et les veines aussi? Putain, j'ai vu la bite dans le. Ça va, j'ai le droit de spammer quand même. Ça attends, va, j'ai le droit de spammer, merde. Au moins, tu vois, ce qui est bien dans ce match, c'est que tu peux tenir avec personne vu que les deux sont dégueulasses. Enfin, pas les deux joueurs, les deux persos. Les deux joueurs sont exceptionnels et délicieux, attends, hein, les persos sont immondes. Smasher. On rappelle, on est des smashers qui dit smasher dit pas de douche. C'est vrai, donc c'est légit que vous soyez dégueulasses. Et du coup, Bob, j'ai lu que t'avais perdu contre Zawaniko. Est-ce que tu veux nous raconter Bah, c'est très triste ce qui s'est passé. Voilà. Il a été meilleur. D'accord. Non, j'ai perdu parce que je suis, comme on appelle communément, un débile. C'est que bah, il a fait un up smash qui était bah, très prévisible et comme un con, bah, j'ai donné R. Du coup, bah, ça a grossi ma hitbox et il a pu me toucher et m'a tué avec. Aïe. C'est une merde. Du coup, j'ai perdu le match sur ça. Allez Bob, c'est une défaite aujourd'hui, mais c'est pour mieux préparer ta victoire de demain. Parce que, là, j'aurais pu gagner un match contre Zawaniko, et là, ça aurait fait 1-1 et tout, t'as vu, trop stylé. Et là, je bats Zawaniko, et là, je retourne contre Nalimus, je prends ma revanche. En même temps, c'est Zawaniko boosté, hein. Il a Ozma à ses côtés. Oui, mais là, c'était prenable comme match, c'était pas impossible. Attends, mais le match est super sérieux, hein? Non, ça va. Pas du tout, ça va pas du tout. Je suis en train de perdre. Ah, tiens, pourquoi tu fais? Pourquoi tu mines? Pourquoi tu mines, monsieur? Laisse-moi miner, si son maître. Pyramitra qui ne s'occupe pas des enfants, elle les assassine. Pourquoi tu craches que pour toi? C'est le communisme ici. Pyramitra, celle qui abat les mineurs. Bon bah, aspirateur et badé ont gagné. L'aspirateur est fourre. La femme a c'est encore c'est communisme ici, monsieur. C'est ça. Steve n'est pas la plus belle femme, finalement. Attends, Kyrio, je te montre un truc. Prends Sephiroth. Prends Sephiroth. Mais c'est fini, les gars. Oui, je sais, mais on s'en branle. Prends Sephiroth, je montre un truc au chat. Et surtout... Ah non, mais Ousmane, il a perdu contre Crasha. Ok. Je regarde le bracket pour l'instant. Bon, ouais, vas-y. Pourquoi DDD? Tu vas voir pourquoi. Cherche son neutral B au max. Il va juste faire Crasha, ça va one shot. Non, c'est pas ça. Pas vraiment. Il y a ça, mais c'est pas vraiment ça. Ouais. Ah. Ah, pour le coup, ça ne savait pas. C'est la vitesse à laquelle j'avale les dons pour Arthos Smash. Vous voulez mon vomi? Mon vomi. Attends. Ah, je m'attendais à plus. Vas-y, refais. Merde. Pas ceci. Notre rôle, mec. Quand tu auras les tournois IRL, je vais tellement m'amuser à me cosplay en personnage de Smash. Un jour, Roi Dadidou, il va arriver. Attends, refais, j'ai envie de t'aspirer entre temps. En plus, t'as le physique, ça tombe bien en tout. Mec, ouais, franchement, ouais. Je vais me cosplay en Roi Dadidou et en plus de prendre la pause. Ouais. Et ben voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez vu. Le pris par micro-ondes. Sa suprématie est totale. Ça se fait, j'ai vu 4. Attends, Anto, le temps d'attendre, t'attends ou pas de faire un duel contre mon ami Bo? Mizu. Non. Allez, Anto, allez, contre mon Rule 34, là, contre mon ami Bo, il me fait collier. Non, par contre, je sais ce qu'on peut faire pour attendre le prochain match. Mizu, est-ce que t'es dispo? Oui. Ça te dit un petit combat de mi? Un
Non, 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 non. Ah oui, attends, 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 Anto, Anto, prends ton mic, prends ton mic, prends ton mic. Vas-y, vas-y, je suis extrêmement chaud. Vas-y, je vais me faire tartiner la gueule. Mec, il tartine pas, il met tout au micro-ondes, ce mec. J'ai Mémis, Mémis sont prêts. Mec, ce qui est terrible, c'est que tu vas comprendre que je pue la merde.